Los Angeles, Californie, la cité des anges. J'adore cette ville. J'y suis enquêteur de police. La vie me tendait les bras jusqu'au jour où, lors d'une surveillance, la détonation d'un 38 spécial me projeta à terre. Et je me retrouvais flottant dans une sorte de tunnel nébuleux. Tout à coup, me voilà projeté dans un univers étrange et habité par des fantômes. On les appelle parfois des ombres, car ils ne sont ni tout à fait morts, ni tout à fait vivants, mais désireux de finir une chose qu'ils ont entreprise ici-bas. Oui, je reconnais que je n'étais pas qu'un petit peu inquiet. Et c'est alors qu'un toubib me renvoya de l'autre côté parmi les vivants. Je croyais que cette expérience ne resterait qu'un mauvais souvenir, mais je me gourais drôlement. Ça ne faisait que commencer. Ça, alors que je retourne chez les vivants si c'est pas Mike Burton. Alors comme ça, tu vois souvent des fantômes? Pas juste. Pourquoi tu le disais pas? Pour que tu me fasses une réputation de cinglé. Il avait peur, il disait ne rien vouloir faire avec la police et qu'il avait une autre idée. La caméra, les bandes, tout ça s'est envolé. Toutes les vidéos sont sélectionnées par Linda. C'est que je suis très pressé, voyez-vous, c'est un document exclusif. Alors, tu t'amuses, Mike? Il y a des millions de femmes convenables sur Terre. Pourquoi tu veux la mienne? Curieux qu'elle ne l'ait pas emporté. Elle l'a peut-être pas encore lu. Je parie qu'elle a fait des copies. La tarse. Je vois les fantômes. Moi, je t'emmerde, c'est ma femme. Plus maintenant. Tu es mort. Alors cette agression ne me visait pas moi. Elle visait Linda. Reste à savoir qui est la vedette de l'émission. Shadow Cop.